Merde, je l'ai eu ou pas? Non, non, je l'ai pas eu. Ah, caca. Bon, le spy. Le spy, j'ai dit. Voilà, puis on peut faire un random hein, si jamais. Donc ça fait 9 classes, c'est génial. Allez. Tac, bon, avec le magnum. Quoi, c'est ça, le magnum. Le couteau, ça, alors ça c'est pour bousiller les trucs des mécaniciens adverses. Ça c'est pratique. Ça c'est pour se maquiller, se cacher. Alors on va mettre un spy. En fait on va se déguiser en spy. Parce qu'en général ils nous voient pas en fait. Ils se disent qu'on a infiltré la base ennemie et du coup c'est plus facile pour les buter. Alors le mieux c'est de tout le temps bouger, de pas aller vers les mecs trop visiblement. Merde, je sais pas dans quel coin il est celui-là. Là on est invisible. Bon il m'a eu à cause du feu, donc je suis très mauvais en plus dans cette classe, donc ça sert à rien. Alors, on va rebloter et recommencer. On va essayer de faire 2-3 tirs au magnum et dans crucifier un. Enfin pas crucifier mais planter un avec le couteau. Voilà. Donc on va se déguiser à l'avance, on va se ou alors en... Merde, non, c'est pas ça que je vais faire. Ou alors, vous êtes bien déguisé quand... Enfin, perso, je trouve que c'est logique. Vous êtes bien déguisé en étant médecin. Parce que, du coup, ils... Enfin, instinctivement, ils vont pas vous buter, je dirais. Par contre, s'ils voient qu'ils vous soignent pas, bah... Si vous les soignez pas, donc ce que je peux pas faire, même si je voudrais, hein, bah, ça va pas... Non, on va essayer d'infiltrer. Merde, merde, il m'a reconnu. Pourtant, c'était pas très compliqué. Bon, on va changer de classe, ça m'énerve. Je vous ai tout présenté, on va reprendre le sniper. Avec sa casquette, excellent. Il y a moyen de crafter des objets, mais c'est hyper long parce qu'il vous faut plein, faire fondre d'autres armes. Donc, en général, c'est celle que vous aimez pas, mais c'est assez long de créer une arme en fait. Ou un équipement. Parce que vous pouvez aussi faire des équipements. Alors, je n'ai pas de deuxième arme, normalement il y en a une, c'est une espèce de petite mitraillette. J'en ai pas parce que j'ai mis un truc à la place qui ne que je peux pas tuer en faisant headshot, donc un truc que vous pouvez gagner assez rapidement quand même, ou plusieurs fois. Je vais vous montrer celui que je vous ai pas montré tout à l'heure, bon, même si c'est pas le mieux, hein, bien sûr. Donc c'est le pétoir du bazar qui s'appelle. Alors, bon, lui il a craqué avec son épée de flamme. Qui est assez stylé d'ailleurs, il a dû l'acheter je pense parce que... Oh putain, je suis dans la merde. Vite, vite, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Oh purée, à 4% de... 4... Merde. Bon, vous voyez ma barre de charge, en fait, plus je la laisse charger et si je fais un beau tir, bon, en général ça one shot. Hein. Bon, le problème c'est que si vous enlevez votre lunette... Hein? Mais je l'ai eu! Il tire où? Là j'en ai eu un. Mais pourquoi c'est lui qui les a? Méchant! Putain, j'ai esquivé un truc sans faire exprès. Bon, il est pourri hein, ce sniper. Alors, je crois que je vais le réduire en. En métal pour faire des autres armes ou des jetons parce que c'est comme ça que ça marche. Putain mais j'ai l'impression de pas les toucher, ça m'énerve. Dans ta gueule. Putain il aurait pu me voir là pourtant. On va se cacher, il y a un lance-flamme. Ok, joli de ta part. Tu t'es fait buter aussi. On va reprendre la sarbacane de Sydney. Qui est assez sympa comme concept. Et qui en plus, si vous le chargez au max, fait des fléchettes empoisonnées. Donc ça c'est bien.
Lui, il a pris le sniper de base avec ça, enfin, le truc que je vous ai dit. Je pourrais vous le montrer en faisant J, en fait ça fait une petite animation genre pour souder la gueule de mec que vous avez tué. Ou quand vous avez gagné. Merde, putain, je tire sur le mauvais, fais chier, je suis dégoûté. Alerte. Ouais, 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 ouais. Oula, j'ai lâché des rondelles de trucs. Me demandez pas pourquoi. Bon, sachant que... Alors, moi, j'ai coupé le chargement parce qu'il est très long. J'ai dû vous l'expliquer tout à l'heure, il y a une semaine et demie. Et donc, j'ai dû me répéter peut-être hein, pendant cette vidéo. Merde, ils ont pris... Putain, fait chier, j'arrive pas à sortir. Ça m'énerve. En plus, je suis sûr, il y a un temps de chargement qui est long. Enfin, pas de chargement, mais de. Voilà, 19 secondes, c'est abusé, ça m'énerve. Ça. Le point de contrôle est envahi. Bah oui, il est envahi, on voit bien qu'il est envahi. Je vais prendre des pyromes. Ok, bon, mais il s'est fait buter. Merde, je pouvais réapparaître. Merde. Cette arme ne va pas droit. Je tiens à le dire. Ils arrivent souvent par là. On va essayer de les prendre par la surprise. Ouh, putain, non mais non, il y en a trop là. Tu veux faire quoi là? C'est abusé. Je vais prendre mon snipe. J'ai pas encore eu le temps de m'amuser avec. Mais c'est quoi ces réapparitions de malades là? 15 secondes. Enfin, 18 au début. Oh, il y a un mec, il a un katana. J'aimerais bien l'avoir. Donc, sachant qu'on peut aussi échanger des armes. Vous voyez, ce truc qu'il a à la main, c'est abusé. Hein. Panifie un coup, je suis sûr, il va tous les faire. Mais purée, mais pourquoi il a pas fait de long? On va prendre l'arc. Le Huntsman. Il a la classe, cet arc. Bon, alors, je peux vous annoncer qu'on va... prochainement débuter le playthrough sur Borderlands 2. Ça va être sympa. Sachant que si on tient la flèche au bout de 5 secondes, on ne tire plus droit après. Putain, j'en ai marre, je suis obligé tout le temps de courir, il y a pas un endroit. Elle est pas bien cette map pour les snipers. Et j'ai envie d'en faire un. Hein. Je suis têtu. Vous me l'aurez pas, je l'aurai. Allez. Oh mais c'est les temps de réapparition sont c'est n'importe quoi. Au début c'était 3 secondes, là c'est 20 secondes. Allez toi fais gaffe. C'est ça. Pas devant lui. Tu veux lui offrir une fleur peut-être. Tirer au hasard, peut-être on va toucher quelqu'un. Vous avez de la chance, des fois vous faites peut-être des cross the map, puis vous touchez quelqu'un comme ça, vous savez pas pourquoi. Cache-toi. Alerte, notre dernier point de contrôle est en bas, vous avez échoué. Oh non, fais chier, on a perdu. Ah ! Je me suis fait buter. C'est pas grave. Votre appendice, vous avez vu ? C'était assez sympa. Bon, normalement c'est du corps, mais là ils m'ont explosé. Donc j'ai pas fait une super partie, hein. C'est bon, on peut réapparaître. Oh bon, ça charge. Je vais vous passer le chargement tout à l'heure. Chargement finalement rapide. Donc on reprend. Je remets mon casque. Rouge, bleu. Nouvelle map, ça fait plaisir. Alors, bon, je regarde mon snipe. Je veux faire 10 kills au snipe. Rien à foutre. Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle map? Enfin, est-ce que c'est une map que j'ai pas faite? Ou déjà, on prend de la hauteur, ça... Ça m'intéresse. Alors là, c'est toujours normalement du point de contrôle. Sachant qu'il y a différents modes de jeu que je vais vous montrer par la suite. Ouh, ouais. Alors, oui. Bon, bah, ça, c'était pas très malin de ma part. Oui, ça, c'est une map que j'avais jamais faite. Non pas qu'elle est nouvelle, mais peut-être qu'elle est accessible. Et qu'avant, elle était peut-être payante, je sais pas.
Si je l'ai, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Et comme je ne suis pas miraculeux, ça va pas le faire. Donc sachant qu'il n'y a pas le team kill normalement. Temps supplémentaire ajouté. À part pour les grenades je crois. Plus sûr. Petit doute. Merde, avec moi celui-là. Ah non. Oh ça c'était joli de ma part sans faire exprès. Alerte, le point de contrôle est envahi. Ok, j'ai encore tué quelqu'un. Mais je suis quelle couleur en fait moi? Ah mais je suis rouge. Ok, tire sur les bleus. Ok, trop tard. Putain, je viens de faire 2-3 kills en l'air sans faire exprès là. 2 exactement. Oh bah c'est bien, j'ai réussi à faire des kills. Je suis content avec mon sniper. Hop, et on va reprendre l'arc parce qu'il est fun. Moi je trouve qu'il est fun. C'est pas d'accord, c'est la même chose, c'est pas grave. Pardon. Non, l'enfoiré, j'allais tirer. Oh, quel enfoiré, quel enfoiré, quel enfoiré. C'est pas grave. Ouais, joli. Ok, là, tu tires dans n'importe quoi. Oh, putain, il est fort, celui-là. Une fois, il y a des séries comme ça, vous en faites plein. Alors, on a changé de point de spawn, c'est-à-dire qu'on a dû perdre un point. Ou qu'on en a gagné. Alors on n'a pas changé de spawn et je suis complètement hallucinogéné. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, ne le réutilisez pas plus rien. Je suis perdu. Ah, je suis perdu. Bon ça doit être par là, il y a des flèches. Mais c'est... Non. Putain, j'en ai marre. Alerte, le point de contrôle est envahi. Ça m'énerve, je veux gagner. Bon après cette partie je vais arrêter. Ça vous fera déjà une bonne vidéo de 20 minutes au moins. Peut-être plus, sûrement plus. Puisque bon les parties durent environ 15 minutes hein, donc. Ouah. Qui c'est l'enfoiré qui m'a fait ça? Un cookie. Bon sang de bois. Bon sang de bois, c'est qui a dit ça? Bon ça. Rasse ta gueule. Pourquoi c'est pas moi qui ai eu les points, c'est pas juste. Mais c'est pas possible, ils sont deux. Ah ils sont deux. J'ai dit s'il a rechargé son arme aussi vite, c'est qu'il est cheaté le mec. Oui, temps supplémentaire, allez. Laisse-moi apparaître, prendre mon petit arc et recommencer. Oui. Oui, oui, oui. Et oui, nous avons encore repris le point, du coup on est revenu à 10 minutes de temps. C'est génial. Alerte, le point de contrôle est envahi. Elle est touchée ou pas? Non. Oh joli toi. Putain le mec il a un réflexe, truc de fou. Sniper d'assaut qui s'est fait lamentablement déchiqueter. Putain, les rires de fou. On a invité les Gremlins. Oh! Oh, ça c'était beau ça. Ça c'était. Le mec il a rien dû comprendre. Oh putain l'enfoiré. Et il aurait dû me donner un coup de pelle, je crois que ça m'aurait one shot dans le dos. Mais bon, c'est pas grave. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez.
Ça m'énerve. Ça, c'est juste un mauvais point du jeu, c'est les temps de réapparition, franchement. C'est vraiment moisi, ça. Sachant que je crois que ce jeu est disponible sur le Xbox Live. Alors, je dis peut-être une connerie. Alors, peut-être c'était le premier qui était disponible, je sais plus. Il me semblait qu'il y avait un truc avec le Xbox Live. Donc, j'ai pas la Xbox, hein, de toute façon. Donc, ça n'a rien changé. Pour moi. Pas de possibilité de sprinter, je sais pas si je l'avais dit. Ou si je l'avais pas dit. Oh, j'ai buté la mitrailleuse. Et voilà un nouveau. Pour le remplacer. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, je suis pas concentré. Et du coup, j'arrive pas. J'arrive pas. Oups. La Starbacan. Ça mène où, ça? Oh, l'enfoiré. Bon, c'est pas grave. Ah, ça mène juste là, ok. On va faire gaffe. Ok, il y en a là-bas. Putain, ah, j'ai fait bugger ma vue. Putain, là, ça s'appelle du bordel. Carrément. Hein. J'ai déjà choisi 2-3 autres free to play que je vais pouvoir vous faire. Enfin, 2-3 jeux sur lesquels je vais pouvoir faire du free to play, putain. Lui, je vois pas. Putain, l'enfoiré. J'aime pas les spies, j'aime pas les spies. Ils sont vraiment chiants. Même les jouets, moi, j'aime pas. Je sais pas comment. Non, c'est pas grave. Bien sûr, je pense qu'il y a plein d'autres snipers que j'ai pas encore débloqués ou découverts. Putain, meurs. En plus, je l'ai empoisonné. Oh oui, il a accroché. Ça, je trouve ça juste énorme. Fais gaffe, toi, il va être buté. Moi, que tu sois pas un boulet comme moi. Et pas des munitions, moi je veux de la vie. De la life. Yeah. Je t'ai vengé. Non, putain. Tuez-le, on est 3 snipers, il y en a pas un qui réagit, bordel. Je l'aime le faire, je l'avais en plein pour blablabla. Je me tais et je me concentre. C'est la devise. En plus, j'ai pas envie de changer de classe là, je sais pas pourquoi. Peut-être après on va. Je vais reprendre le pyromane. Mais elle est trop grande cette carte pour utiliser le pyromane. Ou Pathfinder peut-être. Mais j'ai même pas le temps de réagir. Comment ils font eux? Ah oui, ils ont plus de vie. En fait, moi, mon problème, c'est que... Oh! Bug de sûreté. Moins 60% sur les dégâts. Oh, c'est... Oh, c'est génial, ça. Bah tiens, voilà, soldier. Ah, ok, en fait, ça sert pour faire des sauts. Oui, j'avais vu ça, mais je me demandais comment les mecs... Parce que normalement, ça s'éclate les pieds. Alors, on le remplace à la place de quoi? Non, pas ça. Ah, les bottes de sûreté. Je dis le conquérant que j'ai.
Alors, donc maintenant, ok, donc je peux faire les sauts comme eux. Bon, bien sûr, je perds un peu de vie, mais ok, mais c'est sympa ça. On va pouvoir tester. Ça fait encore une phase du gameplay qui est cool. Alors, je crois que je vais me faire. On va voir si ça marche. Oh, c'est excellent. Ok, bon, il faut quand même des bonnes. Tu crois que je t'avais pas. Oh putain, lui, il est sorti de la map carrément. J'ai fait un strike. Merde. Bon, il est un peu petit. Merde. Qui l'a eu à ma place? Mais c'était bon, qui? Y'a personne. Oh, ça rase. Oh lol. Oh, dans ta gueule. Et dans la tienne. Non, là, si je le fais, je meurs. Ok, je meurs. J'ai plus de vie, je suis mort. Putain, mais comment ça se fait que je suis pas encore mort? Alerte, notre point de contrôle est envahi. Ouais, bah, ah, mes films. Putain, 2% de vie, c'est n'importe quoi. Mange-le. Ah. Allez. Alerte. Le point de contrôle est envahi. Merde, du coup, j'ai plus de... Non, pas de touraine de merde. F1 ou F... Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas besoin de voter, vu le nombre de trucs. On va quand même voter. Allez. Prochain niveau défini. De toute façon, vous aurez pas le temps de voir. Putain, on est toujours à 9 minutes de combat. Ouais, je crois que je vais bientôt arrêter la vidéo. Promis, je vous en referai d'autres, mais là... Là, c'est abusé. Bon. Ah! J'ai cru voir un snipe. Oh, putain, il est parti en pièces détachées. C'est le cas de le dire. Oula, il a un viseur, lui. Il est stylé, ton snipe, mec. Bon, il a dû l'acheter, mais... Tais-toi, la tourelle. T'es rien. Ah! Oh non! En plus, vous avez vu ce qui a marqué. Je n'y pas de sous et le meilleur copain d'Anonymat. De Polygaming d'Anonymat, attention. Alors, je sais pas s'il y a des bots, mais peut-être. Je sais pas. Peut-être. Normalement, je veux. Non, mais. C'est fou, hein, c'est un free-to-play, pourtant il est beaucoup de joueurs, je trouve. Par rapport à d'autres free-to-play qui ont été moins... Bon. Si je me fais buter, je suis dégoûté. Oh, téléporteur. Salut Rico. C'est quoi ça? Ok, c'est une sortie. La loose. Pion. Toi qui servait à rien. Toujours sympa. Alors, t'es qui toi? Ok, tu crames. Je sais pas qui t'es, mais tu crames. Oh, quel con. Attends. Merde, j'ai raté. Le truc servait à rien. Ah. Je suis très mauvais. Aïe. Oh, je l'ai eu. Il m'a eu. On va changer de truc. On va prendre lui. On va faire des coups de masse. Enfin, des coups de batte de baseball. Ok, lui, il était un peu bugué. Allez, vas-y. Allez. Ouais, continue. Encore. Encore. Ok, avec ton truc. Oh, il a un kunai. C'est la classe. Ah, ça fait du bien de pouvoir aller vite, n'empêche. Allez. Ah. Ok. C'est assez nul. Le but, c'est d'être rapide, vif. Tout ce que je ne suis pas. Mais tu meurs jamais, toi, ou quoi?
voilà. Oh, l'enfoiré. Ok, bon, il m'a réduit en morceaux. Là, c'est le cas de le dire. La vie du comté, vous avez battu votre record de coopération, mon scout. Enfoiré. Je pense que ce serait bien qu'il y ait plus d'armes de lancer. Genre des couteaux, des trucs comme ça avec celui-là. Bon, il y en a peut-être, hein, mais j'ai pas encore tout vu. Oui, si tu rentres aussi de là. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac. Cette fois, je sais que j'ai pas assez d'élan, donc. Ouais, c'est pas. Ça servait à rien vu que c'est exactement le même chemin. Merde, j'ai vu un snipe. Salut cousin! Tu es maintenant dans les ténèbres. Oh putain! Le changement d'arme est trop long. Trop long. Et en plus, moi, au lieu de le fusil de. Mon fusil à pompe là, où l'arme pourrie que j'ai, je vais au corps à corps. Putain, crame bien. Je sais pas ce que c'est ce truc. Ah oui, voilà, c'est ce truc pour contrôler les tourelles. Je crois. Ce serait bien qu'on puisse contrôler les tourelles ennemies. Comme ça, ils pourraient pas les casser et nous, on pourrait leur tirer dessus. Bon, ce serait complètement cheaté du coup, mais. Ah! What the lag? Putain, j'ai. Là, le matin, j'ai pas une trop mauvaise connexion, hein, bizarrement. Je suis assez content. Ah, je prends le point! En critical hit. Wouah, c'était quoi ce truc? Ah, ok, il y avait une grenade derrière. La violence. Bah nous aussi on va jouer le grenadier. Oula. Alors, petite coupe. Excusez-moi, post téléphone. J'ai complètement été coupé de l'action. Je vais souvent faire de la. Sûrement faire de la bouse, comme d'habitude. Hein. Merde, il est bleu celui-là, putain, mais je suis pas attentif, hein. Oh non, il est invincible. Ah! Oh! J'en ai marre de prendre pyromane. Alerte! Notre point de contrôle est envahi. Peut-être, et alors? Fin de la mission dans 60 secondes. Ah bah oui, bah c'est bien fini finalement. Bah je vais pouvoir finir la vidéo du coup. Pouvoir aller manger un truc aussi peut-être. Bon, il doit être 9h, là je sais pas quelle heure il est. Regarderai plus tard. Ça va vous faire quand même, je pense, de la grosse vidéo, hein, si j'ai pas fait de la merde dans le codage. T'as cru t'allais la voir, toi, pense-tu. Fin de la mission dans 30 secondes. Oh putain, le feu contre une tourelle, c'est bon ça. What the? Hein? Oh, abusé. Putain, j'ai sauté, je suis resté en l'air. Non, je vais apparaître temps supplémentaire, c'est le truc de... Vous avez échoué, match nul. Match nul? Mais c'est cool, ça, match nul. Bon, on va se laisser là. Je vais juste vous montrer... on va revenir, rester connecté. Donc, donc normalement, c'est joueur multijoueur, machin, vous avez... Charge utile, donc vous poussez un truc et l'amener jusqu'au bout. Roi de la colline, c'est vous gardez des points, attaque-défense, un peu la même chose. Corde à la charge utile, le premier qui arrive à pousser son truc à gagner. Point de contrôle, c'est ce qu'on a fait. Capture le drapeau, vous avez luné. Et livraison spéciale, il faut donc livrer une valise pour faire monter une espèce de fusée. À la fin, elle part aléatoire, vous avez bien compris ce que c'était. Alors, est-ce que j'ai reçu un mail? Ouais, rien, celui-ci me parle d'une connerie. Sinon, donc question inventaire, bon bah j'ai plein de conneries, hein. Au début vous avez que ça, vous pouvez, il y a des caisses, et donc il faut trouver les clés qui sont avec, vous pouvez créer des jetons en sacrifiant vos armes donc pour la fabrication, voilà vous mettez deux armes, ça fait ça, ensuite avec une ferraille, donc ça veut dire deux armes, vous pouvez faire du métal recyclé, donc ça veut dire qu'il faut 2, 4, 6, 6 armes, et ainsi de suite pour... le métal infuné, ça veut dire qu'il faut 4, 8, oui, 12, enfin, ah, là, 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 12 armes en tout pour faire un truc comme ça. Donc c'est abusé, bien sûr. 3 armes de la même classe pour un jeton de classe.
trois armes de l'emplacement, donc il y a trois emplacements, hein, corps à corps, arme à moyenne portée et à longue portée, enfin votre arme principale. Donc trois armes comme ça pour un jeton d'emplacement et donc un autre jeton de classe pour changer le jeton de classe, fusionner métal recyclé, etc. Enfin, c'est un peu le bordel. Et là vous pouvez fabriquer plein de trucs, hein, donc c'est assez sympa. Là par exemple il faut le Huntsman et le Deathringer, donc deux armes pour fabriquer le couteau aborigène. Vous voyez là il y a plein d'armes, c'est assez bien fait. Excusez-moi, j'ai le nez bien pris là, j'arrive pas à parler. Donc les points d'acier, métal recyclé, camarade de boxe, péteur du bazar. Ok. Il y a plein de trucs, hein, vous voyez. Bon, ça c'est le broyeur bovin 5000. Ah, bah en fait, finalement, il faut que deux trucs. Ok. L'effet Eureka. Crochet. J'ai pas de crochet, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, peut-être il y en a du. Pourquoi il y en a qui sont en blanc? L'exposeur de tête d'ange. Enfin, il y a plein de trucs. Je vous laisse découvrir les catalogues avec tous les objets. Et des échanges, donc voilà. Du stats, si vous voulez voir, bon, j'ai rien fait si j'ai 3h35 sur le sniper. Mais rien de bien joli, donc on va quitter.